Les représentants du Conseil mondial de la boxe pour ce combat, the representatives of the WBC, Monsieur Ignacio Amadore de Peña et Monsieur Marty Cohen. Mesdames et messieurs, dans le coin bleu de Ville-la-Salle, pesant 159.1 livres, in the blue corner from Ville-la-Salle, weighing 159.1 pounds, Dino Clavette. Clavette. Dans le coin rouge de Montréal, pesant 158.8 livres, in the red corner from Montreal, weighing 158.8 pounds, Alex Hilton. Hilton. Alors voilà les adversaires pour ce combat de championnat continental des Américains sanctionné par le Conseil mondial de la boxe, Alex Hilton et Dino Clavette, deux Montréalais quoi. Dino Clavette qui est de Ville-la-Salle et qui semble avoir toute une pléiade d'admirateurs et de partisans ici ce soir. Et on peut en dire autant d'Alex Hilton à coup sûr. Oui, Alex Hilton, les Hilton, on le sait, ce sont les favoris de la foule ici à Montréal. Si on parle des styles des deux pugilistes. Justement, alors... les Hilton, les trois Hilton sont en fonction, leur style est en fonction de l'attaque, Camille. Ils sont très agressifs, ils frappent très fort. Et comme je disais tout à l'heure, Alex, à mon point de vue, est celui qui a progressé le plus chez les Hilton. Et aucun des quatre kills, il a été peut-être cherché surtout la façon d'utiliser son jab. Il est moins rapide que Dave, il télégraphie un peu ses coups, mais il a une très grande portée, frappe très lourdement et peut utiliser son jab s'il le désire. Un avantage chez les Hilton, évidemment, c'est qu'ils boxent depuis qu'ils sont enfants. Et ça, c'est un avantage marqué sur les autres boxeurs. Il est aussi champion, alors c'est une source de motivation. Et peut-être une faiblesse, il manque un peu de stamina. Chez Dino Clavet, peu d'expérience, très rapide de ses mains, une force de frappe très moyenne. Mais pour Dino, en sa faveur, très courageux, très intelligent. Un combat qui devrait être très intéressant, Camille. Et les deux ont quand même une bonne force de frappe, je dois souligner. En 15 combats professionnels, Alex Hilton a mis fin à ses combats 13 fois avant la limite. Et Dino Clavette, quant à lui, en 9 combats professionnels, il a 6 KO à son actif. Et on ne semble pas vouloir se respecter. C'est prévu pour 12 rounds. Et dès les premières secondes, on se porte à l'attaque avec une ardeur presque inouïe. Et remarquez les musculatures des deux boxeurs à peu près identiques, deux gabarits qui se ressemblent. Et Dino qui semble dans une forme vraiment resplendissante. Il a grossi son gabarit depuis un an et les deux veulent vraiment se porter en attaque immédiatement. Dino Clavette qui, pour le programme du 4 décembre, avait refusé d'affronter Alex Hilton, disant qu'il n'était pas prêt. Et comme on avait dit à ce moment, c'est une sage décision. C'est une sage décision. On a dit peut-être qu'il était peu heureux. Je ne crois pas, c'est un gars tellement intelligent. Il savait qu'il n'y avait rien pour lui à ce moment-là, dans ce combat-là. Présentement, sa carrière peut progresser. Il n'a rien à perdre. S'il perd le combat, il perd contre un champion. Il a peu d'expérience. Alors, il a tout à gagner, Dino, dans ce combat. C'est tout un phénomène. Il a mis les pieds dans un gymnase pour la première fois en 1979 et il avouait que même à cette époque, il n'avait jamais vu un combat de Houssain Chesley ou Mohamed Ali. Il savait que c'était associé à la boxe, mais pas plus. Et il veut faire carrière comme comédien également. Oui, ça c'est très intéressant, on va y revenir. Et présentement, Dino Clavet est le meilleur dans les échanges contre Alex et il n'est pas du tout impressionné par Alex. Oh, il est juste... Il a quand même des mouvements. Regardez la tête de Dino présentement. Il marque à chaque coup qu'il a porté au visage et au corps d'Alex. Il y a beaucoup d'action. Deux pugilistes qui, je pense que ni l'un ni l'autre ne veut faire la limite des 12 rounds. On veut, je pense, faire un maître de façon décisive. Oui, pour mettre un peu plus de pression sur le combat, disons que Georges Louin, l'entraîneur de Dino, a dit que Dino ne devrait pas. Ici, Dino a été touché durement par un crochet gauche d'Alex. Regardez la faute de ces deux combattants. C'est la force
à force brute finalement qui prime de part et d'autre. Dino est peut-être beaucoup plus mobile, ou un peu plus mobile, pas beaucoup plus, mais un peu plus mobile que Alex dans un sens. Mais Alex là ici qui se sert bien des câbles, mais Dino qui esquive bien, roule des épaules, évite les coups. Et là Alex qui a réussi à porter la droite juste à l'arrière de la tête dans ce gris. Et donc l'arbitre intervient. Et Dino qui semble un peu vulnérable sur les crochets d'Alex. Alors il devra vraiment faire attention parce que vous savez qu'Alex, il peut envoyer son adversaire seulement d'un crochet de gauche ou de droite. Et présentement, ça a été une ronde endiablée et ça promet beaucoup pour les rangs à venir. Présentement, on voit ici l'échange. Regardez bien, les coups sont imprécis et on s'attaque le jab et tout de suite un crochet de Dino. Et présentement, dans l'échange, Dino montre un petit peu plus de précision. Regardez ici, il rate ses coups. Dino wave bien, l'expression wave bouge bien de haut en bas et de gauche à droite sur les coups d'Alex. Et pour revenir à la question de la comédie, c'est que présentement, il est sur un théâtre et c'est vraiment une tragédie humaine. C'est la plus belle tragédie. Deux êtres qui se rencontrent présentement pour littéralement se démolir, quoi. Dans un sport que d'aucuns prétendent qu'il n'est pas un sport, mais qui peut être le plus vieux au monde. La boxe, c'est le deuxième round. Premier round a été endiablé, on l'a vu et on l'a dit, on l'a souligné. Est-ce qu'on va commencer un peu à ménager ses énergies? Dino qui a peut-être démontré au premier round un peu plus de fini, un peu plus de technique, un peu plus de folie dans son allure que Alex l'a fait, qui fonce littéralement avec sa force et qui lance des coups avec une puissance inouïe. Et Alex, présentement, a reçu des directives de son coin qui lui ont dit d'utiliser son jab parce que ce qu'il fait avec beaucoup de succès, ce qu'il n'avait pas fait en premier round. Regardez, Alex a porté à peu près 6-7 jabs depuis le début du round. Il n'a pas porté une droite. La première droite vient de porter et elle a touché l'adversaire. Les coins ici, Alex commence à rouler également sous les attaques possibles de Dino. Dino qui semble de revenir au centre, voilà ce qu'il fait maintenant. Et on sait que dans un combat ici de 12 rounds où les deux sont du même âge, avec la même énergie, le stamina, l'énergie fera une grosse différence vers la fin du combat. Alors, c'est à voir, on a toujours une grosse droite. Dino est en train de discuter, il a reçu une droite d'Alex derrière la tête qui lui a fait mal, Camille. Et là, les crochets de Alex continuent de se voir, Dino dans les câbles. Il y a un peu histoire de récupérer certainement. Alex qui va du jab, Dino qui veut y aller, mais ses coups portent moins. Il y va beaucoup plus prudemment qu'il ne le faisait au premier round. Oui, il semble un peu essoufflé. Il a donné beaucoup au commencement au premier round pour ne pas se laisser intimider par Alex, mais il court un peu après son souffle présentement. Il est surtout sur la défensive. Alex qui lui aussi prend quelques minutes de récupération parce qu'il faut dire que les deux ont commencé le combat avec énormément d'acharnement et même ce deuxième round c'est une droite que Dino n'a pas de venir. Alex qui frappe avec énormément de rapidité, pas tellement de technique, peut-être il a fallu, je pense, son allure, on le voit aller se prochain, là il l'utilise, ça peut pas. Oui, j'ai jamais vu Alex quand même avec ses combats précédents utiliser sa technique aussi bien. Il n'est peut-être pas tellement apprécié encore, mais du moins, il varie ses attaques et il ne se porte pas à l'attaque avec de façon échevelée. Alors, il utilise son jab. Et regardez la combinaison ici de Dino qui vient de très rapide de ses mains qu'on va pouvoir voir. Il a répliqué à Alex, il est venu rapidement. Et là, il a raté avec sa gauche, avec sa droite, il est revenu avec la gauche. Et c'est Clavette qui est dans les cartes. Il n'est pas en difficulté cette fois. Courage de Dino qui avait. Eh bien ici on peut voir que Dino ne cède pas un pouce de terrain à Alex. Il l'attaque constamment. Il avait affirmé aussi d'ailleurs que l'invulnérabilité. Et tout de suite allons voir comment il a vraiment frappé Dino. Oui, ici on voit ici, regardez bien l'attaque. Alors il est sur le bras de Dino. L'attaque ici vient toucher au corps et Dino s'apprête à riposter. Juste antérieurement, Alex avait atteint juste au-dessus de la tête. Et c'est là que Dino avait plié les deux. Ici, regardez bien, la rapidité des points de Dino. Il attaque et marque à plusieurs reprises. Et à nouveau, ici un crochet, mais Dino va marquer à nouveau dans sa contre-attaque. Peut-être un manque d'expérience de ne pas avoir prévu cette contre-attaque d'Alex Hilton avec la gauche. Parce que sûrement. Dino Clavette, on l'a dit, n'a fait ses débuts en boxe que le 16 octobre 1979. Il est précis dans la date et il n'y connaissait rien. Il ne connaissait rien à ce sport antérieurement, mais il apprend généralement très rapidement.
Et ce soir, il nous a démontré qu'il pouvait apprendre rapidement. Il a appris très rapidement. Il se tire bien d'un pas et il sert bien aussi, même s'il n'a pas un punch des plus forts, au moins c'est un gars qui a un gabarit fort, il est fort, il peut prendre des coups, et ça, ça l'aide, parce qu'on sait avec quelle force Alex peut frapper. Côté résistance, il nous a démontré qu'il pouvait l'avoir, et il n'est certes pas diminué par le nombre d'années en combat, parce qu'il n'en a pas tellement. Magnifique ici, attaque de Dino, si on a vu, c'était beau à voir. Il a rentré avec un jab, il suivait avec sa droite et puis il s'est replié par la suite. C'était très bien fait. Elle roule bien ici pour sortir du coin. La foule qui s'amuse un peu. Belle réaction de Dino ici, qui a vu venir les coups et qui a voulu se porter à la contre-attaque, mais sentant que tout pouvait être impossible. Là, Alex qui a réussi à marquer. Et il monte en droite très solide. Dino s'en débranler. Il a été touché durement par la droite d'Alex. Belle esquive quand même ici. Il a voulu contre-attaquer, mais Alex a poursuivi sa poussée et sa pression pour amener Dino dans l'écart. Et ce que j'aime de Dino quand même pour un boxeur avec aussi peu d'expérience, c'est qu'il ne ferme jamais les yeux quand l'adversaire l'attaque, malgré qu'il est en difficulté. Il regarde les coups venir pour pouvoir les éviter. Ce qui était un très bon signe chez un boxeur. Oui, il nous en a donné de bonnes preuves il y a un petit moment. Et là, a bien réussi à contrer la contre-attaque d'Alex, qui se voulait puissant. Et là, celui des deux qui s'accroche le plus, c'est Alex. Dino n'a pas encore tellement cherché à accrocher, n'est pas trop en difficulté. Mais Alex Hilton est peut-être celui des deux qui accroche et retient le plus. Une chose qui m'apparaît, par exemple, ici, Camille, c'est que je crois qu'Alex vient tendre un piège à Dino. Il s'est laissé faire de façon intentionnelle, et on vient de le voir, il a par la suite laissé entrer Alex pour pouvoir le contrer. Regardez bien. Ici, dans les câbles, Dino a fort bien travaillé. Et regardez bien, Alex va le refaire à nouveau. Il ne l'attaquera pas pour que Dino l'attaque et pourra ensuite le contre-attaquer. Et c'était un piège, c'était visible la façon qu'il l'a fait. Oh, bien bloqué ici la gauche, bien bloqué par Dino. C'est-à-dire qu'Alex Hilton, même s'il a de très peu de combats professionnels, la pelle droite que Dino encaisse, Alex Hilton a quelques 103 combats amateurs en expérience derrière lui. Et comme tu l'as souligné, Jean-Marie, ses frères Hilton boxent depuis qu'ils sont tout jeunes. Avec dans les dernières secondes, 3 secondes à faire ou 2, c'est la fin du troisième round. Et encore là, les deux pugilistes travaillent avec énormément d'ardeur. Voici ici une attaque de Dave, la droite, mais qui est esquivée en partie par Alex. Alors, une autre attaque ratée de part et d'autre de Dave comme d'Alex. On sent nettement que les deux pugilistes veulent y mettre du poids et de la force, ce qui leur enlève probablement un peu de souplesse dans les coups, un peu de précision. Et comme on le mentionnait cet après-midi, Camille, présentement, la surprise est évidemment du côté de Dino. Et voici une attaque de clavet. Regardez bien, très rapide. Et c'est ici le piège que je mentionnais. Et regardez bien la contre-attaque. C'était visible que Alex là-dessus avait laissé attaquer Dino pour pouvoir contre-attaquer. Et là-dessus, Dino devra faire attention. Mais ici, c'est Alex qui a failli se faire jouer un vilain tour parce que Dino a bien réagi et a reculé au bon moment. Au bon moment. Début du quatrième round. C'est encore avec autant de choqués d'ardeur que les deux pugilistes se mettent à l'œuvre. Dino est là à la droite et Alex Hilton. On se retire momentanément, on s'observe, mais vivement on reprend l'attaque. C'est Alex qui semble vouloir être le plus actif des deux. Alex Hilton, il n'a que 19 ans. Dino Clavette, il en a 23. Et là, sort du bruit avec une droite. Il n'a pas fait bronger Alex Hilton, il en a vu d'autres plus avant le combat de ce soir. Dino Clavette qui a l'œil droit présentement. Peut-être au corps fermé, et si cet œil-là continuait à enfler, ça pourrait être un problème pour sa vision. On le voit présentement à l'écran, il a l'œil gonflé, et Alex pourrait capitaliser sur cette blessure. Il se semble assez soumétier. Absolument. Nous le sommes, ça semble peut-être pire en raison de l'engagement protecteur qu'on peut appliquer, mais on ne peut pas en mettre en tellement grosse quantité finalement. Oui. Son œil est au droit, il est au corps fermé présentement. Et on voit qu'Alex est toujours en possession de ses moyens, très calme.
le quatrième round et l'action s'en va à ce rythme comme ça depuis le début du combat. Les deux boxeurs se respectent beaucoup présentement et évidemment ils savent que le combat va certainement aller à la limite. Alors les deux conservent leur énergie pour bien terminer les rounds. C'est un combat de 12 rounds et nous n'en sommes qu'au quatrième. Les attaquants précis, bien contrés. Lino Clavette qui a réussi à bien bloquer de son avant-bras. Belle réaction de sa part. Oui, il a tendu un petit piège ici à Alex qui n'a pas mordu, mais il a passé de gaucher à droitier. C'est très difficile à faire. Et la foule qui encourage Lino présentement. Lino qui montre, Camille, beaucoup de maturité pour un jeune boxeur. Et qui est content. Lorsqu'il atteint Alex, montre qu'il est content de le faire. Lino Clavette, et tout le monde le reconnaît, est un jeune homme fort intelligent. Très, et qui utilise ses atouts à bon escient. Ce n'est pas un puissant boxeur, mais il utilise bien ses atouts pour attaquer. Il est bien approché. Il reste environ 25 secondes, un peu moins maintenant à discuter dans ce quatrième round. Belle combinaison. Alex. Ici, Dino a été durement touché par la droite d'Alex. Il a fléchi les genoux et son regard s'est embrouillé pour quelques secondes. Même dans les câbles, il tente d'attaquer, mais préfère attendre un moment pour récupérer. Il aura une minute de plus puisque c'est la fin du quatrième round aux applaudissements de la foule. Ici, regardez bien l'attaque. Et ici, regardez les genoux de Dino qui plient sur l'attaque de d'Alex. Il a quand même bien réagi par la suite. Par la suite, Alex allait lui servir la gauche. Il a réussi à rouler pour éviter le coup. Il s'est bien baissé. C'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment en difficulté à ce moment-là. Mais le coup avait laissé des séquelles quand même. Cinquième round. Et la foule qui n'a pas cessé d'encourager. Les coups viennent maintenant sec et genoux de la part de Alex. Alex. De nombreux crochets de la part d'Alex. Laissons parler l'image ici. On s'accroche. Alex qui tente le KO. Et voici la rapidité d'Alex qui vient de marquer un uppercut trois fois à la suite. Et on voit que ses coups portent lourdement à chaque fois. Il fait un peu mal maintenant à Dino à chaque fois qu'il le frappe. Au corps maintenant. Va s'appuyer sur Clavette et ça c'est exténuant. Il faut soutenir le poids continuellement. On reprend un peu ses énergies pour le moment. C'est le cinquième round. L'action a été très rapide. Voici le début. Ce qui se passe présentement est dangereux pour Dino. Voyez présentement Alex qui est dans le piège. Il laisse, se laisse frapper par le jab et il va peut-être contre-attaquer de façon dangereuse. Ouais, c'est sa façon de tendre un piège. Et évidemment, Dino, maintenant, il s'en méfie un peu. Et voici la gauche, là, qui a atteint solidement l'œil de Dino. Dino a fait une grimace sur l'impact du coup. Il tente de protéger son œil et Alex tente de l'atteindre. Et on voit l'avantage de l'expérience. Alex qui est très calme dans le feu de l'action. Quelques 103 combats amateurs, a-t-il besoin de le souligner, il n'en a perdu qu'un seul. Alors que la seule expérience de Dino Clavette se résume à ses 15 combats professionnels. C'est 9 combats professionnels, pardon. Alex en a 15. Nous en sommes à la dernière minute de ce cinquième round. Alex Chabot qui attaque, dans le farouchement. Et qui touche sa cible absolument à volonté. Dino, qui est en difficulté présentement, il a fléchi les joues. Il s'accroche, mais il ne devrait pas rester dans le coin comme ça. Il n'est pas de taille dans les affrontements corps à corps avec Alex. Alex a trop d'expérience, il frappe trop lourdement. Alors Alex, ici, qui vient de lâcher son dentier, il semble un peu fatigué. Regardez, il respire en poussant son dentier. Et on a toujours dit qu'Alex manquait un peu d'énergie autour du 5e et 6e round. Il le fait présentement. Nous sommes au 5e. Il reste environ 10 secondes à faire.
Jazz, deux fois. Là, il va, mais pas tellement puissant. Au moins, il a atteint la cible. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il est touché. Et Guido, c'est terminé. C'est là, l'arrêt est rapide, mais c'est la fin du match. Tombé par la croix, c'est lui. Alors, il est totalement perdu. Il a été touché. À quel moment il y a quelque chose, il y a un problème. Alex est touché à quelque part, peut-être à la mâchoire. Il semble complètement exténué. On a fait remarquer tout à l'heure que son dentier était en train de sortir. Et ce n'est pas le coup de poing, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûrement un manque d'énergie, mais Alex n'a plus de stamina. Il s'est sauvé. Regardez bien ici la reprise. Regardez Dino Clavet qui va en profiter sur la fatigue d'Alex Hilton. Regardez bien, il vient de voir qu'il est touché, il attaque rapidement, ici, droite, gauche, gauche, et Alex va revenir avec un crochet pour s'empêcher, un crochet de gauche pour sauver du knock-out. Voilà l'inexpérience de Dino Clavec à ce moment-là, on le voit d'un autre angle. Voici ici la même reprise, les coups qui se manquent un peu de précision, mais qui font mal quand même, certains de ces coups, un peu en arrière de la tête, ceux-là surtout, regardez, il y a eu au moins 6 de coups qui ont fait mal à Alex. Et Alex qui demeure, mais c'est Alex qui commence. Il veut reprendre l'initiative du combat. Il va avec énormément d'acharnement. Il est en train de bloquer tout ce qui vient. Il est lui aussi passablement fatigué. Et son œil est de plus en plus fermé. Son œil droit. Alex, certainement, son point. S'il est fatigué, son père lui a peut-être demandé à ce moment-là d'aller chercher Dino pour un KO rapide. Mais ça peut évidemment jouer contre lui à la fin de la round s'il ne réussit pas. Nous en sommes qu'à mi-chemin dans ce combat prévu pour 12 rounds. Mais c'est compréhensible de voir les deux pugilistes ici quand même passablement fatigués et beaucoup plus vulnérables selon l'allure qu'ils ont donnée au combat depuis le début. Il n'y a pas eu beaucoup de moments de relâche. Et ce qui est étonnant, c'est que les yeux d'Alex sont très, semblent en très bonne condition. Par contre, son énergie respiratoire ne semble pas être là et il ne donne plus d'efforts du début de combat. Son oxygénation fait défaut. Et c'est pour ça que vous remarquerez, il a un sort, même à nouveau encore, où son dentier est sorti et il a besoin d'air pour refaire ses forces. Oh, la droite ici qui a été solide. Dino qui manque peut-être un peu de prudence à ce niveau. Oui, qui attaque très mal, qui attaque en baissant sa garde, son jab de gauche, et que Alex à ce moment-là en profite pour contre-attaquer avec son crochet de droite. On voit là l'expérience qui parle dans le cas d'Alex Hilton à couture. Même s'il a semblé en difficulté à la fin du round précédent, on a vu comment, avec peut-être l'énergie du désespoir, il a sorti sur le crochet gauche que Dino n'a pas prévu. Et il y a une chose importante qui se passe présentement en termes de technique de boxe ici. Ce qui est intéressant à voir, ce qu'on mentionnait dans un autre combat, qui est dur en boxe, c'est se porter à l'attaque. Et on voit une expérience de Dino, il a la chance de se porter à l'attaque. Il ne le fait pas par inexpérience. Parce que présentement, si Dino avait de l'expérience, il ferait mal à Alex. Alex, présentement, est une proie assez facile. Regardez. Et il se défend très mal. Très échevé dans ses attaques. Il l'était au début, mais il n'est beaucoup plus présentant. Dino a semblé démontrer un peu plus de folie, mais son inexpérience joue contre lui nettement. Mais néanmoins, il parvient à donner une très belle démonstration ici. Et la foule n'a pas perdu un seul moment de ce combat. Jusqu'à maintenant, quel autre fait. Et s'il pouvait se suivre de là, Alex Hilton, on voit ici son expérience. Et là, il appelle Dino à venir se battre. Oui, c'est actuellement Alex, à mon point de vue, n'aurait pas dû faire ça. C'est qu'il sent que la balle, qu'il n'est pas bien dans le combat. Il invite le challenger. C'est tout simplement une marque. Il a un peu perdu le sens du combat. Et il n'est pas en contrôle de la bataille présentement. Il reste environ 5 secondes à faire. Dino est dans les câbles. On sent nettement la fatigue des deux côtés. Clavec qui réussit à rouler. La fin du sixième round. Et la foule qui encore une fois applaudit. Et pour cause. Gauche, droite, droite. Et ici, il manque un peu Alex qui roule bien sur les coups et qui revient avec son fameux crochet. On voit la vulnérabilité de Dino sur le crochet de droite d'Alex. Dès qu'il se porte à l'attaque, on dirait qu'il perd toute conscience de défensive. Oui. Il ne réagit pas devant l'adversaire qui peut contre-attaquer. Justement, et puis il baisse sa garde à ce moment-là. C'est assez étonnant. Il pourrait garder sa garde, son jab haut, ce qui empêcherait le crochet de gauche, mais il le baisse et Alex en profite. Septième round, c'est un combat de championnat continental des Amériques pour les poids moyens. Le champion canadien Alex Hilton
et Dinan Clavel. Le championnat continental des Américains pour un titre vacant du Conseil mondial de la boxe est là. Alors qu'il va un véritable coup de marteau Dinan dans les côtes de Dinan Clavel. Et ça, ça fait mal, ça peut ralentir un adversaire. Et là, la gauche, la Hilton qui fait des dégâts. Et les partisans de Hilton qui l'encouragent à poursuivre son attaque. Gilles Domaton en particulier qui l'encourage à poursuivre ses attaques. Mais vous savez que c'est épuisant attaquer comme Alex le fait. Et c'est mortel pour un fin de round. C'est le septième round. Et jusqu'ici, les deux pugilistes ont donné plein les yeux. Ce n'est peut-être pas de la boxe vraiment classique, mais il y a énormément d'énergie, beaucoup de potentiel des deux côtés. Oh, on va voir Alvin. Et on voit ici que déjà, il a donné 15 secondes d'un combat de poussée, mais actuellement Alex est épuisé, il retient Dino, et c'est le champion qui retient Dino, c'est signe qu'il est très fatigué, et moi, en tant qu'entraîneur, j'essaierai de le faire reposer en début de round. Regardez Alex présentement, ne se porte pratiquement pas à l'attaque, et Dino aussi en profite pour simplement marquer des coups, sans trop se compromettre. Et Alex est quand même bien en possession de ses moyens dans un sens, puisqu'il réussit à éviter les coups. Son esquive est encore bonne. Et là, on sent nettement que la fatigue commence à se faire sentir, à faire son œuvre. Puisque, et de part et d'autre, deux belles gauches de Dino Clavette, mais lui aussi ne peut poursuivre son attaque. Tout de suite, en pugiliste expérimenté, Alex s'appuie sur son adversaire. Il le pousse. Alex qui est très fatigué présentement. Dans ce round-ci, Dino Clavin a un avantage marqué en termes de points. Ici, Alex vient de frapper vraiment en bas de la ceinture. Dino a regardé l'arbitre et il a été frappé très bas et ça a semblé lui faire mal. Il s'est quand même arrêté, mais Alex, pour un jeune homme de 19 ans, est très puissant. Une force physique respectable et certainement plus élevée que la moyenne. Il a une gauche que Dino Clavin ne s'attendait pas, il s'attendait au bris. Alex se surprend cette fois de la droite. Dino revient vers le centre, cherche à aller justement vers l'intérieur dans son combat pour contrer les crochets d'Alex qui y va cette fois du jab. Moins de 30 secondes à faire dans cette septième reprise. Et là, la gauche de Dino encore une fois, mais Alex résiste. Dino qui fait présentement une bataille intelligente, il est fatigué lui aussi. Il n'essaie pas de brûler ses énergies. Il parle tout simplement de frapper de temps en temps et assez régulièrement enregistre des points auprès des juges. Cinq dernières secondes et un peu moins de ce septième round. C'est Dino Clavette qui termine le round avec une attaque et la foule qui a... Et qui sait? Oui, un coup chanceux peut-être et la puissance d'un des coups. Jusqu'à maintenant, Alex semble avoir celui qui porte les buts les plus puissants. Et il se passe à l'attaque, mais Dino l'a bien reçu tout de suite avec un crochet de gauche qui a forcé Hilton à s'appuyer vivement et ressortir sa combinaison qui a légèrement raté. Dino semble vulnérable dans ses sorties de corps à corps. Manque d'expérience. Toujours on pense la même chose, toujours l'inexpérience de Dino lorsqu'il sort, mais lorsqu'il entre, il est toujours très vulnérable. Alors, il n'est pas méfiant. Il n'est pas méfiant du tout et à chaque fois il se fait toucher un peu. Une chose que Dino a nettement améliorée, Camille, depuis un an, c'est sa force de frappe. Si on se souvient au début de sa carrière, il avait une force de frappe vraiment mitigée. Maintenant, ses coups ont beaucoup plus d'autorité. Et ici, belle combinaison à nouveau. On voit, Dino frappe pas fort, mais il marque à chaque fois. Ça va être beaucoup plus en termes de précision qu'en termes de puissance maintenant. Exactement. Et remarquez les coups que Alex a portés actuellement. Il a tout raté ses coups pratiquement, bloqué par Dino à nouveau. C'est massacré, il a mis Dino au sol et c'était un puissant crochet d'Alex qu'il a eu directement sur l'oreille. Et Alex qui fouille maintenant au fond de ses énergies, il tente de vouloir en finir. Et il y va avec toute l'énergie qu'on lui connaît. Et là, Dino n'en peut plus. Il fléchit les genoux et l'arbitre décide de mettre fin au combat. C'est au 8e round. Alex Hilton qui a eu de la difficulté. Dino Clavet n'a pas envie de son inexpérience. Certes, c'est néfaste. Alex Hilton qui a puisé dans toute son énergie.
d'énergie, de combat et amateur. Et depuis ses débuts professionnels, mais il en a eu plein les bras. Oui, il en a eu plein les bras. Et comme tu viens juste de le mentionner, Camille, tu viens juste de mentionner qu'un coup puissant d'Alex pouvait